sur notre premier fédération TOPS. La semaine dernière avait eu un événement assez incroyable, l'atterrissage du rover Perseverance sur Mars. Ce n'est pas la première fois, mais ça reste tout à fait un événement exceptionnel. Notre exploration et notre perception de Mars avancent en particulier l'évaluation de l'habitabilité passée et actuelle de la surface de Mars, et c'est notre thème aujourd'hui, Mars, de terrienne à martienne. Nous avons le plaisir d'accueillir, pour en discuter, Marie du projet Mars Proof Fédération et une partie de l'équipe d'astronautes analogues WOMARS, avec Julie, commandante géologue WOMARS, Laurel, ingénieure WOMARS, et Alice, data scientist WOMARS. Bonjour à toutes les quatre, merci beaucoup d'avoir répondu présente pour cet échange. Et commençons. Bonjour. Alors, du coup, je vais commencer par partager mon écran. Alors, je fais partie du projet MarsProof, qui est un projet de l'Open Space Maker Fédération. Donc, il comprend une dizaine de membres, tous passionnés par le spatial. Il y a tout type de profils, que ce soit des ingés, techniciens, comptables et de tout âge. On a pour but d'envoyer sur Mars un démonstrateur technologique d'utilisation de ressources in situ. Donc c'est ISRU en anglais pour In Situ Resource Utilization. Donc l'objectif, c'est de contribuer à l'exploration de nos systèmes solaires en faisant progresser l'état de l'art de ces technologies qui seront indispensables à une présence robotique ou humaine qui sera pour notre planète. Donc un autre intérêt, c'est de renforcer l'intérêt pour les étudiants, les universités et les industriels sur ces thématiques. Donc pourquoi on vise Mars? Donc tout d'abord, il y a un intérêt scientifique puisque c'est du soutien à l'exploration martienne, puisque pour l'instant, c'est un des sujets qui est très, très discuté, l'exploration. Et le but de ces démonstrateurs sera d'aider une potentielle exploration martienne, voire une colonie martienne. Après, on a également le défi technologique, puisque c'est de l'innovation sous contrainte, puisqu'on essaye de faire ces démonstrateurs avec une certaine maîtrise des coûts. Et il y a aussi la contrainte de recréer l'environnement martien, puisque ce ne sont pas les mêmes conditions que sur Terre. Et après, on a les retombées Earthproof, puisque ce sont des procédés pouvant resservir sur Terre. Ils utilisent de l'énergie verte, puisque c'est de l'énergie solaire. Et donc, ce sera de basse énergie, donc écologique. Sur Mars, on trouve plusieurs types de sable, de roches. L'atmosphère contient de nombreux composés chimiques. Et des dispositifs pourraient servir à transformer ces composés en éléments indispensables à la vie, puisque en utilisant des ressources telles que l'eau, donc l'eau qu'on trouve par exemple dans le régolithe, de l'oxygène, de l'hydrogène, du méthane, qui pourrait fabriquer du verre, des briques, du plastique. Ce serait donc produit à partir de modules importés sur Terre, et l'utilisation de ces ressources par des missions d'exploration et à plus long terme pour une colonie. Donc c'est le cœur du concept de l'utilisation des ressources locales. Pour ce projet, on s'appuie sur les études réalisées par Richard Edman, qui est le vice-président de l'association Planète Mars. Ces études, elles ont permis de définir un système ISRU complet subdivisé en 12 briques. Donc comme on peut voir sur le schéma ici, le développement de concepts ISRU nécessite le développement de modules de production. Donc, par exemple, la collecte du régolithe va permettre ici de récupérer de l'eau par sublimation, qui va permettre ensuite, en passant par un électrolyseur, de fabriquer, de séparer l'oxygène et l'hydrogène. On va également pouvoir décomposer le régolithe en éléments utilisables pour fabriquer du verre, voire de l'acier. Et également, la composition de l'air martien, qui est composée de plusieurs éléments comme le CO2, va pouvoir permettre de construire du plastique qui sera très utile en cas de colonie martienne. Donc voilà, merci pour votre attention.
Merci Marie, je propose de continuer avec Laurel. Merci beaucoup. Très intéressante présentation, merci. Je vais partager mon écran aussi pour vous présenter, pour me présenter un peu et présenter le projet WoMars. Alors, si vous me donnez juste une seconde. Donc, bonjour à tous, je suis Lorraine, je suis la cofondatrice et la co-ingénieure de WoMars, une mission direction Mars. Alors, tout d'abord, dans un premier temps, je vais me présenter. Donc, mon parcours académique est le suivant. J'ai débuté j'ai passé mon lycée en terminale S à Bangkok, en Thaïlande. J'ai passé mon bac mention très bien. Puis, j'ai enchaîné avec l'École polytechnique fédérale de Lausanne en génie mécanique. Malheureusement, c'est une école qui m'a pas trop correspondu parce que c'était très, 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 très théorique et pas du tout pratique. Et j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus stimulant sur différents projets extracurriculaires. Donc, j'ai intégré l'ESILV, l'École supérieure d'ingénieurs Léonard de Vinci à Paris, à La Défense précisément, dont je suis diplômée depuis septembre 2019. J'ai fait une spécialisation en aéronautique et dans la majeure mécanique numérique et modélisation. Durant ce parcours, j'ai aussi passé un an au Polytechnique de Milan en Master 1 d'aéronautique. Et finalement, quand j'ai été diplômée, j'ai enchaîné sur un master spécialisé de Space Transportation Systems à l'Université de la Sapienza, afin de vraiment me spécialiser sur le spatial et non pas que en aéronautique. Donc, mon intérêt pour le spatial, justement, il est venu avec différents projets spatiaux. Le premier a été durant mon temps à l'ESILV, j'ai fait le projet Perseus. J'imagine que beaucoup ici le connaissent. C'est un projet, c'est une initiative du département des lanceurs du CNES, donc Centre National d'Études Spatiales, à Paris. Donc, j'ai fait une étude de réduction vibratoire de la fusée Serra 4. Donc, ça a été ma première vraie introduction à un projet orienté spatial. J'ai par ailleurs deux expériences professionnelles dans le secteur du spatial. La première, j'ai fait mon stage de fin d'études de diplôme d'ingénieur à l'Agence spatiale européenne, donc entre février et septembre 2019. Je travaillais sur le lanceur léger Vega et plus précisément sur le SSMS, donc Small Spacecraft Mission Service, qui est une structure mécanique permettant de maximiser le nombre de satellites mis en orbite par lancement. Et je travaillais aussi sur le projet Space Rider, donc qui est le premier véhicule réutilisable de l'ESA. Enfin, premier, bon, ça c'est... On espère en tout cas qu'il sera lancé normalement, soit cette année, soit l'année d'après. Et Ariane Espace, donc j'y étais de août dernier jusqu'à janvier dernier, donc très récemment. Je travaillais sur LAVOOM toujours, donc le lanceur Vega toujours, donc le lanceur léger Vega. Et LAVOOM, Attitude Vernier Upper Module, est le moteur du dernier étage de la fusée. Et je travaillais sur un code de performance et d'analyse du moteur. Et enfin, évidemment, j'ai monté avec Martha et Julie WoMars, donc pour se lancer dans les aventures des missions analogues. Donc, je vais rapidement vous présenter notre équipage. Donc, c'est un équipage multidisciplinaire. Nous sommes 6. Je laisserai Alice et Julie se présenter elles-mêmes. Et de l'autre côté, nous avons donc 3 Espagnols, Marta Ferran-Marquez, Thésard à Cranfield University, Christina qui est ingénieure pour une start-up en Angleterre, et Paola qui vient de commencer un doctorat aussi en neurosciences. Donc ces 3 demoiselles sont espagnoles, Alice et moi sommes françaises et Julie est suisse, donc nous avons un équipage assez européen, et comme vous le voyez dans nos parcours, c'est des profils assez différents. Donc c'est assez intéressant justement de combiner en fait nos différentes forces. Nos projets sur la MDRS sont variés. Je présenterai un peu plus en détail le système de transport martien que je mène avec Alice. Julie présentera ses biosignatures martiennes et donc nos amis espagnols travaillent respectivement sur les smart windows, la réalité artificielle dans l'espace et finalement la santé mentale en isolation, qui est menée en partenariat avec l'université d'Iowa. Donc le transport sur Mars me tenait à cœur et je me suis demandé quel type de moyen de transportation est vraiment fiable et sans danger. Et je me suis dit que le dirigeable, c'était vraiment, vraiment une bonne idée, comme vous pouvez le voir. On s'est dit que ça pourrait vraiment innover. On s'est demandé pourquoi personne n'y avait pensé avant, d'ailleurs. Donc, on est parti là-dessus avec le PFL et la Mars Society en Suisse. Donc, pour vous présenter un peu notre projet rapidement, on fait une étude de faisabilité d'une exploration aéroportée de Valles Marineris, qui est un canyon sur Mars, comme vous pouvez le voir sur la carte juste là.
et plus particulièrement de Melascasman, donc qui était une partie un peu plus large du canyon, qui nous permet en fait de nous poser, puisque comme vous savez, c'est un peu compliqué de viser très précisément un point d'atterrissage sur Mars. Donc on a mené une étude de bibliographie sur l'atmosphère de Mars avec la pression, température, masse volumique, rayonnement. Donc évidemment, comme vous le savez, l'atmosphère martienne est très très fine, donc on peut pas poser, on peut pas avoir un dirigeable n'importe où. On rentrera plus en détail après dans les questions. Mais donc c'était une bibliographie essentielle à notre étude. Puis une fois que cela a été fait, nous avons fait une évaluation des possibilités de propulsion, sustentation et matériaux ultra légers. Et donc ce projet-là, comme je vous le disais, donc est en collaboration avec Claude Nicollier, qui est un professeur honoraire de l'EPFL et le seul astronaute suisse, Roméo Tonasso, qui est un étudiant de master de l'EPFL, et Pierre Brisson, qui est le président de la Mars Society suisse. Concernant le futur de vos Mars, donc nous sommes officiellement maintenant une association à but non lucratif qui sert à promouvoir et soutenir les femmes dans le secteur du spatial. Notre objectif à court terme, donc, est notre première mission MDRS en octobre 2021, si le Covid le permet. On espère organiser une mission à High Seas, qui est une station analogue à Hawaï, en 2022, et potentiellement une mission Expedition avec qui sera marine, qui sera sur la mer, en 2022. À voir. Et les objectifs à long terme, c'est donc de coordonner, comme vous l'avez compris, des futures missions analogues pour de nouvelles candidates. Le financement de la mission est le suivant. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, ça coûte assez cher d'organiser tout ça. Donc, nous avons fait deux campagnes de crowdfunding. La première avec crowdfunder.co.uk. Notre objectif était de 1 500 $ et nous avons levé 2 000 $. Donc, cela a permis de sécuriser notre place à la MDRS. Le deuxième crowdfunding avait un objectif de 4 500 $, ce qui correspondait au prix de nos billets d'avion, en fait, de Londres à Las Vegas, donc Las Vegas étant le plus gros aéroport le plus proche de la station. Et nous avons relevé 5 000 $, donc ça a été une deuxième campagne réussie. Et par ailleurs, nous avons des contributions extérieures. Donc, par exemple, mon ancienne école, Les Sylves, a financé mes frais de la MDRS. Les frais de Martha sont pris en charge par la Royal Commission et l'ancienne école de Julie nous a aussi aidé financièrement. Donc après, nous avons différents partenaires que vous pouvez voir ici. Donc Stellar Amenities, qui est une start-up qui se vend comme l'IKEA du spatial. Donc ils construisent en fait des habitats martiens et lunaires par ailleurs. Donc nous travaillons aussi avec eux. Macquarie University est l'ancienne université de Julie. Mars Society Suisse, comme je vous l'avais indiqué, a travaillé avec nous pour le dirigeable. Kali Nova est l'entreprise de Christina. AIA, nous avons eu des conférences avec eux. Nous avons présenté nos projets à travers des conférences. Dronomy est une entreprise de drones espagnole qui va nous prêter des drones justement pour faire de la navigation sur la station. Et comme je vous le disais, donc la Royal Commission et les Sylves nous ont aidés financièrement. Merci beaucoup de cette présentation, de votre attention. J'espère que notre présentation vous a plu et que je vous ai intéressé sur le projet Vomars. Super, merci Lorraine. Julie ? Oui, alors je vais enchaîner, je vais partager mon écran. Voilà. Par contre, j'entends plus rien là. Est-ce que c'est normal ? Oui, c'est normal. Ah oui, d'accord. Ok, merci. Alors, je vais commencer par me présenter un petit peu mon parcours et puis ensuite, je vais présenter mes projets personnels. Donc, je m'appelle Julie Hart, je suis la commandante et la géologue de l'équipage WOMARS. Après, donc, comme Lorraine, j'ai fait après un bac scientifique que j'ai fait en Suisse. J'ai fait un bachelor en géosciences avec une spécialisation en géophysique à l'Université de Lausanne. Ensuite, j'ai pris... Entre mon bachelor et mon master, j'ai pris une année de césure pour faire des stages. Et j'ai fait un stage au BRGM, c'est le Bureau de Recherche Géologique et Minière, dont les bureaux ne sont pas très loin du CNES à Orléans. Et c'était un stage en modélisation numérique qui m'a beaucoup appris, donc tout ce qui était en programmation, en coding, etc. Et c'est quelque chose qui manquait un petit peu à mon bachelor, donc j'étais vraiment très heureuse d'avoir fait ce stage. Ensuite, je suis partie en Australie. J'ai fait un master de recherche en géochimie. Donc souvent, dans les pays anglo-saxons, il y a cette possibilité de faire un master vraiment orienté recherche pour préparer justement au doctorat. Et
Donc, j'ai fait une thèse orientée en astrobiologie où j'ai étudié les traces de vie dans les analogues martiens. Et c'est quelque chose dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Et en octobre cette année, donc, je vais commencer mon doctorat en astrobiologie à l'Université de Bologne. Pour mes projets personnels autour du spatial, donc, mon projet académique, c'est sur les biosignatures martiennes. Je vais expliquer ça dans un instant. Ensuite, j'ai un projet personnel en data science qui est un soutien en fait à mon projet académique, mais qui est pas, je le fais pas en partenariat avec une université. C'est plus que, comme j'ai le temps entre mon master et mon doctorat, je me suis lancée dans ce projet-là. Et puis enfin, il y a le projet WOMARS et je vais parler, si j'ai un petit peu plus de temps, je vais parler de l'aspect associatif. Alors les biosignatures, c'est quoi une biosignature? C'est une trace de vie, comme un indicateur d'une activité biologique moderne ou passée, qui peut être de plusieurs types. Donc ça peut être des fossiles, que ce soit macrofossiles, comme on connaît les fossiles de dinosaures, ou des microfossiles, donc des fossiles de bactéries par exemple. Ça peut être de type minéralogique, donc il y a certains minéraux en fait qui sont précipités, qui sont créés seulement en présence de vie. Et puis il y a de type géochimique, essentiellement donc des molécules organiques comme les thiophènes par exemple, qui ont été découverts par Curiosity, il me semble que c'était en janvier 2020, ou d'autres indices géochimiques comme différents fractionnements isotopiques ou fractionnements de certains éléments comme les terres rares par exemple. Chaque type demande des techniques de détection différentes. Ça va du simple microscope en fait à des techniques plus avancées comme des spectromètres de masse. L'imagerie spectrale est beaucoup utilisée aussi et je pense que Alice vous en parlera un peu plus. Comment est-ce qu'on détecte des biosignatures sur Mars? Alors c'est en envoyant par exemple des rovers ou des sondes autour de Mars qui donc ont des instruments ultra technologiques qui vont tester en fait le sol martien pour essayer de détecter certains composés chimiques. Et il y a un intérêt énorme pour les molécules organiques, non seulement par Curiosity, mais ça a commencé déjà avec l'émission Viking, et là avec Perseverance, donc, qui vient d'atterrir il y a quelques jours. Mais comment est-ce qu'on sait où on va envoyer ces rovers-là? C'est en étudiant des environnements qu'on appelle analogues à Mars. Donc c'est des environnements sur Terre qui reproduisent certaines conditions, souvent extrêmes, que l'on retrouve sur Mars, comme par exemple la station de recherche sur laquelle on va passer deux semaines avec WOMARS, la Mars Desert Research Station, est un environnement analogue du point de vue géologique, c'est-à-dire que les roches autour de la station ressemblent fortement aux roches qu'on va pouvoir trouver sur Mars. Et c'est en fait sur ce quoi je me focalise pendant mes recherches. Donc pendant mon master, je me suis focalisée sur les milieux hydrothermaux, alcalins, donc simplement pas des milieux acides. J'ai échantillonné donc des roches de Nouvelle-Zélande et puis je les ai analysées pour justement trouver des molécules organiques. Pendant mon doctorat, je vais me focaliser sur des milieux hydrothermaux, mais très acides. Donc c'est dans une région en Éthiopie qui... C'est une région volcanique qui a un bassin hydrothermal qui présente des conditions parmi les plus extrêmes qu'on trouve sur Terre, donc ça va être très intéressant. Et puis, donc, pendant la mission à la MDRS, donc ce sera un milieu plus aride et fossile dans le sens où le paysage regorge de géomorphologie fossile, comme par exemple des lits de rivière éteints, si vous voulez, fossiles, des deltas, là où l'eau ne coule plus. Donc c'est vraiment très intéressant parce qu'on a tous ces éléments-là aussi, on les retrouve sur Mars. Ensuite, mon second projet, donc plus personnel, c'est justement essayer de développer une banque de données qui va regrouper un maximum de biosignatures. En ce moment, en astrobiologie, on a deux gros problèmes qui se posent à nous. C'est que de un, en fait, pas toutes les biosignatures sont très fiables. D'ailleurs, aucune biosignature n'apporte une preuve définitive d'une vie passée. Et puis aussi, c'est que avec la première mission qui va ramener en fait des échantillons directement de Mars, on va avoir une quantité et une qualité de données astrobiologiques jamais égalées. Donc, j'ai décidé de me lancer dans ce projet de construire vraiment une banque de données pour pouvoir non seulement
évaluer la fiabilité de ces biosignatures, et puis surtout pour pouvoir mettre cette banque de données en open source, donc à disposition de toute la communauté astrobiologique, pour vraiment catalyser en fait la recherche de la vie sur Mars. C'est un projet que j'avais commencé pendant mon master, donc j'ai dédié un chapitre de ma thèse là-dessus, donc j'ai développé un modèle statistique pour justement évaluer l'incertitude, mais sur des biosignatures que j'avais détectées dans mes échantillons, donc seulement sur une quinzaine d'échantillons, donc statistiquement c'est pas très représentatif, donc c'est pour ça que j'aimerais vraiment construire une base de données qui regrouperait des centaines, voire plus si possible, de biosignatures pour permettre vraiment des analyses statistiques plus poussées, et puis pourquoi pas envisager par exemple des projections à plus long terme en utilisant des techniques de machine learning, donc d'apprentissage automatique. Je veux bien présenter l'association, je ne sais pas si on a encore un petit peu de temps, Annie, peut-être que c'est quelque chose que je peux... Oui, bien sûr, vas-y. Oui, ok. Alors, je vais parler un peu plus du côté associatif de WOMARS. Donc, on a commencé comme cet équipage entièrement féminin, donc de 6 jeunes femmes impliquées dans le spatial. Et puis, on voulait faire cette mission voilà, ponctuelle, en sens où on voulait faire une seule mission à la MDRS. Et puis, au fil de la préparation de cette mission, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de potentiel en fait, dans ce projet. Et en commençant à faire des recherches, on s'est rendu compte que il y avait comme une fracture entre le lycée et l'université. C'est-à-dire qu'au lycée, il y avait à peu près autant de filles que de garçons qui étaient impliqués en filière scientifique, mais que malheureusement, à l'université, il y avait moins d'un tiers des étudiants donc dans les filières sciences technologiques, ingénierie et médecine qui étaient des femmes. Et puis, résultat, si on a moins d'étudiantes impliquées dans ces domaines-là, on se retrouve avec à peu près un quart de la force active dans l'exploration spatiale qui sont des femmes. Donc, on a décidé de pousser le projet WOMARS un petit peu plus loin et d'essayer d'adresser en fait, ces problèmes, ou essayer de mettre notre pierre à l'édifice. Et donc, ce que Lorraine a mentionné à la fin de sa présentation, c'est qu'on aimerait pouvoir coordonner en fait, ces missions analogues et pouvoir proposer des places à des jeunes filles en fin de lycée ou en début de leur cycle universitaire pour vraiment catalyser cet environnement où on mélange l'éducation, la recherche et l'innovation, et pour que ces jeunes filles puissent en fait non seulement gagner de l'expérience, mais de l'expérience surtout aux côtés de jeunes femmes qui sont déjà impliquées dans ce domaine-là. Donc voilà, c'est ce qu'on veut faire avec l'association. On souhaiterait vraiment apporter cet accompagnement personnalisé des lycéennes ou des jeunes universitaires vers l'exploration spatiale, organiser ces missions analogues, et puis pourquoi pas développer voilà, des outils éducatifs qu'on mettra à disposition d'écoles en Suisse, en France, etc. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup pour votre attention. Il y a une citation que j'aime beaucoup, bon, elle est en anglais, mais je vais vous la lire. C'est « A bird cannot fly with one wing only. Human spaceflight cannot develop any further without the active participation of women. » Et c'est une citation qui est de Valentina Tereshkova, qui est la première femme dans l'espace. Et elle est toujours d'actualité aujourd'hui en 2021. Merci beaucoup. Merci Julie. Alice, tu nous présentes ton sujet. Oui, est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien. Super. Alors, je vais commencer ma présentation. Tout va bien? Vous voyez mon écran et vous pouvez m'entendre? Oui. Super. Bon. Je vais commencer par une brève présentation de mon parcours et je pense que j'accélérerai un peu sur le côté technique de mon projet pour qu'on ait du temps pendant les questions. J'ai mis là, mon parcours, c'est pas très digeste. J'ai fait mes études d'ingénieur après une prépa scientifique. J'ai intégré SuperHero à Toulouse. J'ai fini mes études en 2016, donc un an plus tard que prévu, puisque j'ai décidé de faire une année de césure où j'ai passé un semestre dans un master dans une université au Japon. Ce qui était concentré sur les space systems. J'ai fait et mon deuxième semestre de césure, je l'ai fait dans une start-up
aérospatiale en Australie qui s'appelle Saber Astronautics. Et puis, à la fin de Super Aero, j'ai fait mon stage de fin d'études à l'ESA, dans le département Attitude and Orbit Control System. J'ai passé un semestre là-bas. Suite à quoi, j'étais ingénieure en R&D, en GNC, donc à peu près dans le même domaine, Airbus Defence and Space UK. Et après, je suis complètement partie du spatial pendant, je dirais, un an et demi. Un an plutôt, où j'ai travaillé sous la mer, j'ai fait du traitement de signal acoustique, donc c'est en gros les sonars de sous-marins, Thales Underwater System. Et enfin maintenant, je suis Geospatial Analytics Engineer dans le département d'observation de la Terre à l'ESA. Donc voilà, c'est mon parcours un peu rapidement. La base de mon projet à WOMARS, il se base effectivement en fait exactement sur ce dont parlait Marie tout à l'heure. Je commencerai avec un chiffre qui est le suivant, 226 pour 1. C'est ce qu'on appelle le gear ratio to Mars. C'est en fait le nombre de kilos d'essence avec les technologies actuelles qu'il faut brûler pour apporter 1 kilo sur Mars. Donc pour 1 kilo sur Mars, il faut brûler 226 kilos de fuel. Donc c'est ça qui en fait pour pouvoir avoir une présence humaine durable sur Mars, il faut évidemment prendre en considération l'idée de éventuellement utiliser les ressources qu'on a déjà sur place. Donc ça c'est ce dont on vous a déjà parlé tout à l'heure. Donc je vais passer rapidement. Mais du coup, pour pouvoir utiliser ce qu'il y a sur Mars, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a et où est-ce qu'on peut en trouver. Et c'est là que ce petit instrument CRISM entre en jeu. CRISM, c'est un spectromètre qui orbite autour de Mars sur le Mars Orbiter et qui en fait prend des photos de Mars à plein de fréquences différentes, ce qui a permis entre autres de composer ce qu'on appelle the MICA files. C'est un gros document, une sorte d'encyclopédie de toutes les signatures minéralogiques qu'on a pu trouver sur Mars. Une signature minéralogique, ça ressemble à ça. Donc là, je vous donne par exemple l'exemple de l'hématite. Qui est un matériau assez important, contient du fer, notamment, on l'a vu dans le tableau tout à l'heure, pourrait servir. Et donc, ce spectromètre prend une photo de Mars, et à base de certains index qui sont basés sur les signatures spectrales, donc les signatures spectrales, si on voit sur la droite de l'image, on va pouvoir dire si un minéral a une plus forte probabilité d'occurrence quelque part sur la planète. Je vais vous donner un autre exemple qui est la jarosite ici, qui est d'intérêt puisque cette mesure a été faite, on va dire, dans Valles Marineris, qui est aussi l'endroit pour lequel le dirigeable qu'a présenté Lorraine tout à l'heure a été designé. Ces mesures, elles sont complémentaires des mesures qui sont faites au sol par les rovers. Qui vont en fait permettre de prendre des mesures au plus près du régolithe et de valider ce que les satellites, enfin le satellite en l'occurrence, permet de mesurer à échelle globale. Donc ça c'est la base, c'est pour faire de la cartographie minéralogique. Et la question c'est, j'ai une vidéo normalement, hop, la question c'est maintenant, est-ce qu'on peut le faire AMDRS, ce travail-là de cartographie minéralogie pour comprendre quel type de minéraux on peut trouver autour, quelles sont les analogies qu'on peut faire, etc. Donc là, je vous ai mis un petit zoom pour vous situer à peu près où était MDRS sur Terre. Donc c'est dans le désert de Utah, comme l'a dit Lorraine tout à l'heure. Donc on a des satellites autour de la Terre. Non, mais en fait, ça, je vais passer parce que je pense qu'on pourra le couvrir pendant les questions. Donc voilà, l'idée, c'est... avec les signatures spectrales des minéraux, est-ce qu'on peut les voir soit depuis l'espace, soit depuis le sol? Donc ce sera ça mon projet à MDRS, je vais passer tout ça. Et je vais juste finir sur cette petite note que j'ai fait en plus, parce que mon rôle dans la mission, c'est data scientist. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur le site du MDRS, où j'ai scrappé en fait tous les résumés quotidiens des activités. Donc en fait, quand une équipe est en activité à la MDRS, ils publient tous les jours un rapport d'activité sur leurs expériences, s'il y a eu un problème avec le système d'eau, etc. Et donc, c'est publié chaque jour. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait lire un petit robot tous ces rapports quotidiens qui ont été faits. Et du coup, maintenant, j'ai un petit robot sur mon ordi où je peux lui poser des questions et il va me dire, en gros, quelle est la phrase la plus
La plus similaire qu'on peut trouver sur les résumés, et ça nous a permis de trouver quelques informations, notamment sur si des équipes avaient déjà utilisé des drones et des choses comme ça. Donc voilà, c'était un petit à côté qui du coup n'a rien à voir avec ce que je vous ai présenté avant, mais que je trouve assez marrant. Donc sur ce, je vais vous dire merci de votre attention. Je pense qu'on a des questions maintenant pour pouvoir approfondir certains sujets si ça vous intéresse. Mais surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, on a tous nos social media et notre site web ici. Donc voilà, c'était un plaisir de vous présenter et puis on va être ravis de répondre à vos questions. Merci Alice, merci à toutes et on va passer aux questions. Donc, on a toute une série de questions. Je commence par la première. Marie sur MarsProof. Vous travaillez sur différents ateliers qui permettraient d'exploiter des ressources martiennes. Est-ce que tu peux nous en présenter quelques-unes? Ah, on ne t'entend pas. On ne t'entend toujours pas. C'est bon. Parfait. On a par exemple la briqueterie qui permet par exemple de fabriquer des briques, qui est un excellent matériau de construction. Donc, on va le fabriquer à partir d'argile. On va fabriquer du ciment à partir du sol martien qui est chargé en sel et riche en argile. Et donc ça a un certain intérêt de les fabriquer sur Mars puisque comme dit précédemment, on les emportait depuis la Terre. Ça sera très coûteux en carburant. Après, on a aussi en autre module la raffinerie de rigolite. Donc c'est pour fabriquer, pour récupérer le rigolite présent sur Mars et extraire les éléments pour les réutiliser. Donc dans le rigolite, c'est composé d'alumine, de chaux, de magnésie, de silice et d'hématite. Et donc par exemple le silice, il va permettre de construire du verre. Et on va aussi pouvoir construire de l'acier à partir de l'hématite. Et donc, on veut construire des petits modules comme ça pour pouvoir construire directement sur Mars ce genre de matériaux. Ok, super. Merci Marine. Alors, une autre question concernant l'analyse des sols. Le 18 février, ça, on a tous suivi, on a fait un atterrissage du robot Persévérance envoyé par la NASA. Avec pour mission de prélever des échantillons sur le sol martien et de les conserver. Donc, une fois récupérés, analysés, j'imagine, peut-être vont-ils dévoiler des traces de bactéries dans le passé. C'est réponse libre qui voudrait la prendre, cette question. Alice, il me semble que c'est pour toi cette question. Ah, pardon, je pensais que c'était pour Julie. Vous pouvez répéter la question, pardon, je n'ai pas... Ça marche. Alors, la question, c'était concernant les éventuelles traces de bactéries dans le passé qu'on pourrait avoir grâce aux échantillons prélevés et analysés du robot Persévérance. Je pense que c'est une question qui s'adresse plutôt à Julie, c'est pour ça que oui, je n'avais pas... je vais répondre à la question. Alors, comment est-ce qu'on peut trouver des traces de bactéries? Il y a plusieurs moyens de détection. Déjà, plusieurs traces de vie, en fait. Sur Mars, au début, on s'est focalisé sur le paysage martien, par exemple. Si vous allez sur Google Mars, donc c'est Google Earth, mais pour Mars, vous pouvez trouver de très belles photos, de très belles images satellites d'anciens lits de rivière, par exemple, ou d'anciens deltas, dans lesquels, en fait, on a tout intérêt à envoyer des rovers comme Perseverance pour potentiellement trouver des traces d'anciennes vies et une vie essentiellement bactérienne. D'ailleurs, Perseverance a été envoyée donc, dans le cratère de J0, en plein milieu d'un paléo-delta. Et comment est-ce qu'on va détecter ces traces-là? Il y a pas mal de cartographies minéralogiques
comme ce dont a parlé Alice. Il y a des minéraux en fait qui peuvent nous donner pas mal d'indices sur non seulement la présence d'eau, mais aussi la présence de vie. Certains minéraux sont essentiellement précipités lors d'une présence d'activité biologique. Par exemple, la magnétite, qui est un oxyde de fer, est en tout cas sur Terre essentiellement précipité par des microbes. Il y a aussi l'hématite. L'hématite, donc c'est un autre oxyde de fer, qui est non seulement un très bon indicateur de présence d'eau, mais aussi potentiellement d'activité bactérienne. Il y a aussi toutes les molécules organiques. Ça, c'est un sujet un peu controversé, parce qu'à chaque fois qu'on trouve une molécule organique complexe qui nous laisserait penser qu'il y avait de la vie, on se rend compte que cette molécule peut être créée sur Terre par un procédé qui n'est pas du tout biologique. Donc, d'où l'intérêt, en fait, de modéliser la fiabilité de ces biosignatures-là. J'espère que ça répond à la question. Merci beaucoup, Julie. Je pense que ça répond à la question. Comme on le sait tous, Persévérance voyageait pas seul. Il était accompagné de son petit drone hélicoptère Ingenuity, développé par la NASA, ce qui est un peu une première pour Mars. Et il a pour but l'étude de l'atmosphère martienne en plus des conditions de vol qui sont assez inédites. Et donc, Mars va également travailler sur un autre type d'engin volant. Donc, je pense que cette question s'adresse à Lorraine. Oui, c'est ça. Alors, on est en train de faire une étude de fin. On a complété quasiment une étude de faisabilité d'un dirigeable comme système d'exploration martien pour, comme on le disait tout à l'heure, le canyon de Melas Casmat, qui était d'ailleurs l'un des lieux finalistes pour le rover Perseverance. L'intérêt de ce dirigeable, en fait, c'est de pouvoir accéder à des endroits, à des emplacements qui ne seraient pas accessibles soit par rover, soit par hélicoptère ou drone comme Ingenuity. Et évidemment, par ailleurs, le dirigeable ne peut pas être construit n'importe où. On ne peut pas faire voler un dirigeable sur le mont Olympus parce que tout simplement la pression n'est pas suffisante. L'atmosphère est très fine sur Mars, alors qu'elle est un peu plus importante au plus bas de Mars. Donc, pour vous donner une échelle, le canyon Melas Casma varie entre jusqu'à 7500 mètres de profondeur, plus ou moins. Le point que nous souhaiterions visiter, explorer, est à 4500 mètres à peu près. Donc là, c'est Melas Casma. Vous avez Valles Marineris qui descend jusqu'à 7500 et Melas Casma qui est environ à 4500. Donc voilà, on a fait ce projet avec Alice. La charge utile, donc l'analyse hyperspectrale, et plus le domaine d'Alice. Donc, si elle veut compléter, je la laisse faire. Mais donc, notre projet derrière était plus le design, donc la forme. Quel type de forme optimale est-ce qu'on pourrait avoir? Combien de kilos de masse, de charge utile est-ce qu'on pourrait emporter avec nous? Et dans quel endroit est-ce qu'on pourrait faire ce genre de recherche? Alice, est-ce que tu veux rajouter une phrase sur l'analyse hyperspectrale? Mais c'était juste pour ajouter qu'en fait, ce que ça permettrait, le dirigeable, c'est d'avoir un peu un entre-deux entre le satellite qui est vraiment très haut et qui prend des pixels très très gros et le côté très petite souris du rover qui va prendre des samples vraiment à un endroit. Et du coup, un dirigeable est un parfait entre-deux, un parfait complément parce qu'il va permettre de couvrir plusieurs kilomètres avec simplement une image, mais qui permet quand même d'avoir des photos de près, à quelques centaines de mètres maximum. Donc, c'était juste pour compléter au niveau de l'information scientifique qu'on pouvait avoir en plus avec ce genre de système qui est pile entre le satellite et le rover, on va dire. Ok, merci Lorraine, Alice. Autre question concernant la composition de l'atmosphère et la présence d'eau qui sont suivies de près par la communauté scientifique. Et du coup, la question pour Marie, qui souhaite répondre, comment on envisage de recréer un environnement viable pour une colonie? Est-ce que ça sera possible d'exploiter l'eau et les éléments présents dans l'air martien? Alors, nous, on travaille sur un extracteur d'eau, donc qui permettrait de récupérer la glace contenue à 5% en moyenne dans le rigolite, à une certaine latitude de Mars,
Et donc, à partir de cette eau récupérée, on fabriquerait de l'oxygène et de l'hydrogène qui pourront ensuite être récupérés pour l'oxygène pour être vivable et pour faire du carburant pour les fusées, donc de l'ergol hydrogène-oxygène ou méthane-oxygène, ou par exemple pour produire d'autres matériaux comme ceux dits précédemment. Après, on a aussi prévu de faire un simulateur d'atmosphère, puisque pour l'instant, on ne peut pas prouver la bonne fonctionnalité de nos démonstrateurs. Il faut reproduire la pression martienne, la température, donc qui est entre moins 60 degrés et moins 20 degrés à la latitude dont on voudrait. Et donc ça, c'est un enjeu assez important qui va être difficile à faire, mais c'est un design qui est actuellement en cours. Donc, si l'on veut pouvoir avoir une présence humaine sur Mars, la présence d'eau est un facteur décisif pour l'établissement d'une colonie. Et donc, il y a plusieurs sondes, que ce soit chinoises ou américaines, qui sont parties pour sonder la planète Mars à la recherche de glace souterraine. Et qui dit eau dit potentiellement trace de vie. Julie, tu es en quelque sorte détective ou au Mars sur cette mission-là. Sur quel indice tu comptes te baser pour... Alors, j'ai déjà partiellement répondu à la question avant. D'ailleurs, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Je suis désolée, j'ai donné pas mal d'éléments de réponse. Mais alors déjà, qui dit eau liquide dit potentiellement trace de vie. Oui, mais je dirais ça dépend. Disons que... ça dépend de plusieurs facteurs. Déjà, l'eau peut avoir, par exemple, des températures différentes, des pH différents, donc une acidité, une basicité différente et un temps de résidence différent. Par exemple, moi, je travaille beaucoup sur les systèmes hydrothermaux. De l'eau, souvent, il y a de l'eau qui avoisine la température d'ébullition, donc au-delà de 90 degrés. La vie se fait très, très rare. Donc, si on imagine qu'il y avait des systèmes hydrothermaux sur Mars, avec une eau aussi chaude, ce ne serait pas évident. Ensuite, surtout dans des milieux très acides, il y a certains systèmes, par exemple celui que je vais étudier en Éthiopie, ils ont des pH qui avoisinent les zéros. Là, encore une fois, ça va être, c'est pas forcément le meilleur environnement pour trouver de la vie. Et puis, il y a cette question de temps de résidence. Sur Mars, alors on a effectivement des indices qui nous laissent penser qu'il y avait de l'eau vive et même un bassin océanique pendant plusieurs millions d'années. Mais par exemple, si encore une fois, si on considère des systèmes hydrothermaux qui peuvent parfois être actifs, puis s'éteindre, puis en fait se réactiver en fonction de l'activité volcanique, est-ce que en fait cette présence d'eau a été assez longue pour permettre la genèse d'une vie. Ensuite, au niveau des indices qu'on va essayer de trouver, donc il y a ces indices géomorphologiques du paysage, donc il y a des canyons, il y a ce bassin océanique, enfin, a priori interprété comme un bassin océanique qui fait la majeure partie de l'hémisphère nord de Mars. Et il y a aussi donc ces traces de paléo-delta, donc ces deltas fossiles, des lits de rivières fossilisées, etc. Il y a les minéraux, comme ce que va étudier donc Alice avec l'imagerie hyperspectrale, qui peuvent être un très bon indicateur. Donc, comme je disais, il y a comment ça s'appelle, la jarosite, beaucoup de minéraux hydratés comme le gypse, c'est des sulfates, des minéraux sulfatés hydratés, voilà, qui peuvent nous donner des très bons indices sur la présence d'eau. Ok, donc nous avons des solutions potentielles pour pouvoir respirer sur Mars et comme tu l'as dit, on a également il y a également un bassin sur l'hémisphère nord de Mars, donc il y aurait un accès à l'eau. Mais quels sont les autres besoins typiques d'une colonie? Cette question est peut-être un peu plus libre en termes de réponse. L'emplacement va vraiment être absolument essentiel. L'idée, c'est de simplifier notre installation au maximum, donc avoir à faire le minimum de choses. C'est pour ça que l'ISRO dont Marie parle est si important que ça.
L'une des solutions justement qui est souvent préconisée pour un habitat sur Mars ou même sur la Lune sont les tubes lava tubes. J'ai un doute sur la version française. C'est des trous de lave, des caves en quelque sorte. Donc ces caves-là présentent plusieurs avantages. Le premier, c'est que ça nous protège de la radiation. Donc sur la Lune et sur l'atmosphère, donc les radiations sont particulièrement importantes. Et afin de les éviter, en fait, aller se protéger dans une cave, ça aide concrètement à réduire le taux de radiation que l'on se prend dessus, surtout si en plus au-delà de ça, on peut rajouter donc quelques constructions propres dans notre cave, dans notre tube. Par ailleurs, ça permet aussi de se protéger de différents facteurs météorologiques. Sur Mars, je pense entre autres aux tempêtes de sable. Il y a une bonne chance que le premier settlement, la première colonisation, j'aime pas le terme colonisation, c'est un terme assez péjoratif. Donc la première habitation martienne ou lunaire, je pense, sera très certainement dans une de ces caves. Donc voilà, je pense que la localisation de notre settlement sera un point critique de la mission. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose d'autre? J'avais une entreprise de laquelle je voulais parler qui s'appelle l'Interstellar Lab, qui veut construire des habitats biogénératifs à destination donc d'abord de la Terre et ensuite possiblement pour Mars. Et donc qui se base sur de la permaculture, donc pour avoir des fermes autonomes sur Mars pour pouvoir produire de la nourriture. Donc c'est aussi un autre point important si une habitation peut avoir lieu sur Mars. Merci. Du coup, est-ce que vous avez d'autres types d'acteurs en plus de pour la permaculture que tu viens de citer, Marie? Qui travaille justement sur les solutions pour une colonie martienne, notamment française, européenne ou toute autre nationalité. Je pense que l'intérêt minéralogique de la Lune, tout d'abord, et de Mars sur le long terme est très important. L'intérêt économique de la régolithe lunaire est loin d'être négligeable, et je pense qu'avoir de plus en plus d'acteurs privés dans le secteur du spatial est absolument crucial. On ne peut pas intégralement se reposer sur la NASA, l'ESA, le JAXA, Roscosmos, etc. Il y a un moment où on ne peut pas développer le secteur du spatial sans avoir les acteurs privés qui rentrent en compte. Et des acteurs comme SpaceX ou autres l'ont bien prouvé. On est c'est un peu plus moindre en Europe parce qu'on a tout simplement un peu moins d'argent dédié au spatial. Mais on retrouve quand même aussi de plus en plus d'acteurs privés dans le spatial en Europe, comme d'ailleurs en parlait Marie à l'instant. Donc il ne faut pas négliger, je pense, la nécessité d'accueillir ces investisseurs privés dans l'exploration spatiale, dans l'exploration lunaire et martienne. Depuis tout à l'heure, on parle de coloniser Mars, mais pour vous, à quoi ça sert d'envoyer des êtres humains sur Mars? Je veux bien commencer à répondre. Alors pour moi, c'est assez personnel, hein, je ne vais pas m'avancer pour tout l'équipage, enfin pour qui que ce soit, mais je pense que déjà c'est un défi technologique assez extraordinaire, c'est-à-dire si on arrive à envoyer des êtres humains et à les ramener vivants sur Mars, je pense qu'on aura fait un bond technologique absolument phénoménal. Je pense aussi que toutes les technologies qui vont permettre à ces humains de survivre sur Mars se doivent d'être tellement durables et tellement efficaces au niveau énergétique, par exemple, que ce sera des technologies qu'on va pouvoir utiliser sur Terre pour vraiment améliorer également sur Terre en fait les conditions de vie, les conditions environnementales, etc. Donc pour moi, je vois pas très bien comment est-ce qu'on pourrait vivre à long terme sur Mars, à moins de transformer la planète en une planète habitable, comme Elon Musk l'a délicatement mentionné en bombardant de bombes nucléaires.
Mais je pense qu'il s'agit plutôt de survie et de défis technologiques. C'est une excellente réponse, je suis tout à fait d'accord avec toi, Julie. Je rajouterais juste que la fibre exploratrice est profondément humaine et que de toute l'histoire de l'homme, l'exploration a toujours été partie intégrante de notre histoire. Donc la Lune, le Mars et même le système solaire ne sont que les étapes logiques d'exploration. Merci pour vos réponses. Du coup, si vous deviez faire passer un message aux jeunes qui rêvent d'espace, que serait-il? De développer leur passion. Le secteur du spatial est composé de tellement de métiers différents. N'ayez pas peur d'explorer la branche qui vous passionne et vous arriverez, si vous êtes passionné au spatial, à la retrouver justement dans le spatial, à faire votre trou dans le spatial à travers votre passion. Je pense pas qu'il faut pas se forcer à être pilote d'essai dans l'armée française ou autre pour pouvoir aller dans l'espace. Vraiment trouver votre passion autre que le spatial et développez-la et retrouvez-la avec le spatial. Si je peux ajouter quelque chose, rebondir un peu ce que tu viens de dire, Lorraine. L'exploration spatiale, c'est très large. C'est pas seulement être astronaute, par exemple. Aujourd'hui, il y a une telle démocratisation du domaine du spatial que même en prenant une filière de droit, par exemple, il y a tout ce domaine de droit spatial qui se développe de plus en plus. L'économie dans l'espace, comment est-ce qu'on va faire pour commencer à faire des transactions, par exemple, dans l'espace, de la Lune vers la Terre ou plus tard vers Mars, vers la Terre. Donc, c'est vraiment tous les chemins peuvent mener au domaine du spatial et il faut juste se lancer et croire en soi. Et puis, comme a dit Lorraine, il faut pas forcément se forcer à devenir ingénieur en aérospatial ou pilote de chasse, pilote d'essai. Tout peut y mener. Merci. Des belles réponses encore. Et donc, j'encourage aussi à rejoindre la fédération qui est un moyen aussi de s'investir et de découvrir tout un tas de problématiques, de domaines complètement divers liés à l'espace auxquels on ne penserait pas forcément, pas forcément technique d'ailleurs, comme tu disais avec le droit spatial. Merci pour vos réponses. Erwan, tu avais encore une dernière question peut-être? Oui, l'ESA a récemment lancé une campagne de recrutement d'astronautes. Du coup, on voulait savoir si peut-être certaines d'entre vous avaient répondu présente à cette annonce. Pas encore parce qu'elle ouvre le 31 mars, mais je pense que la majorité de l'équipage voie Mars sera là, en effet, oui. Et par ailleurs, ce qui est intéressant avec cette sélection d'astronautes, c'est que non seulement ils sélectionnent 4 à 6 astronautes européens, mais par ailleurs, ils sélectionnent aussi 20 astronautes réservistes, ce qui augmente largement nos chances d'être sélectionnés. Un astronaute réserviste, c'est quelqu'un qui va donc rester dans son travail dans la vie de tous les jours et qui sera appelé pour des missions spécifiques si nécessaire et si les 4 à 6 astronautes de cette classe-là ne suffiront pas. Donc, voilà. Et si je peux ajouter aussi, je pense qu'il y a une très belle initiative de l'ESA qui veut commencer à explorer la possibilité d'avoir des para-astronautes, c'est-à-dire en gros de faire une étude de faisabilité sur, en gros, dans quelle mesure il est possible d'avoir des personnes qui ont des problèmes physiques en orbite ou pour devenir astronaute, parce qu'au final, en zéro gravité, on sert assez peu de ses jambes, et c'est d'ailleurs un problème, ça crée de l'ostéoporose. Je trouve que c'est une très belle aussi action de l'ESA d'ouvrir ce call aussi pour permettre d'inspirer encore un plus grand nombre. Super, je crois qu'on en a terminé sur les questions. On vous remercie infiniment d'avoir répondu présente à cet événement. On espère que ce que vous avez pu dire, que vos mots toucheront les nouvelles générations et
peut-être créer des vocations, on espère, chez elle. Et on se retrouve pour un prochain Fédération Talks dans quelques mois. Je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. Et à bientôt. Au revoir. Bonne soirée à tous et à toutes. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.